Bonjour, je m'appelle Christian Lassus, je travaille au sein de Losinger Marazzi, qui est la filiale suisse de Bouygues Construction. J'occupe le poste de Chief Data Officer. J'ai suivi la formation Boost Python sur du machine learning prédictif, avec une première partie assez générale sur des connaissances data, et une deuxième partie appliquée sur un projet qui traitait de machine learning dans le cadre de la prédiction de consommation énergétique pour la ville de Seattle. Donc il y avait une partie, on va dire codage, une partie aussi compréhension et cadrage du projet, accompagné par un mentor tout au long de la formation. Donc le mentor nous permettait de suivre l'évolution du projet, de nous guider. Les échanges avec le mentor m'ont permis tout d'abord de me conforter dans les pistes que je mettais en place dans le projet et me permettait également de me donner de nouvelles voies de développement qui n'étaient pas forcément évidentes au premier abord, ou d'apporter aussi un nouvel éclairage sur le projet. J'ai choisi cette formation car dans le cadre des projets que nous développons au sein de l'entreprise, nous mettons en place un certain nombre d'analyses sur les données énergétiques et les données des Smart Cities. À la base, le choix de cette formation venait de l'entreprise, mais le choix du projet qui permettait la spécialisation au sein de la formation était libre. Donc ce choix a été personnel et fait en lien avec les projets que nous développons au quotidien dans l'entreprise. Je pense que cette formation m'a permis de prendre plus de recul sur les projets de machine learning en ayant une vision plus globale sur les différents aspects du projet. L'intérêt de cette formation était double. Le premier était de monter en compétence sur un certain nombre de sujets tels que le machine learning. Et le second intérêt était aussi d'évaluer si cette formation pouvait être bénéfique pour de futurs collaborateurs au sein de nos entités, ce qui est le cas, et j'espère que nous pourrons poursuivre sur de prochains programmes de formation avec d'autres collaborateurs.